Salut à tous les amis, c'est Dean Oliveira, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, Dragon Ball Xenoverse 2, on continue le Colisée des héros. Donc il faut qu'on aille parler à Bulma. Eh ben, allons lui parler alors. On doit aller lui parler, je sais pas trop pourquoi. Je rappelle que la vidéo précédente, on a réussi à affronter Piccolo et Freezer. Donc c'est plutôt sympa. C'est quoi ça, Cotton City Radio? Mais c'est la voix de... C'est la voix que de Caulifla et Kale, ça. D'accord. Donc, juste parce que, apparemment. Juste parce que. Ah, Bulma est en dessous. Bonjour. Je tombe à pic. Elle est poursuivie par quelqu'un d'étrange. Bah, ok. Faut la défendre, je suppose. Ouais, bah, apparemment. On voit le niveau de puissance ultime de mes cartes. Niveau défense, c'est Gogeta qui a le plus. Niveau vitesse, c'est Gogeta qui a le plus. Bien. Eh ben, on y va avec le deck numéro 1, hein, tant qu'à faire. De toute façon, quoi qu'il arrive, je le défonce. Doria. Sérieusement, qu'est-ce que tu viens foutre là? Putain, la waifu, la milf. La vieille. Alors là, faut pas dire ça. Faut pas dire ça à Bulma. Hein. Le seigneur Freezer m'a dit de cogner sur quiconque osera se mettre sur son chemin. Ah, forcément, il y a Trunks qui arrive à ce moment-là. Si je gagne, les figurines de la vieille sont à moi. Vas-y, de toute façon, je vais te défoncer. Il est trop tard pour reculer désormais. Bah, écoute. S'il est trop tard pour reculer, il y a juste à avancer. Hein. Ça ne veut absolument rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Allez, c'est l'heure du duel! Que le combat commence! Hajime! Mon adversaire utilisera des talents puissants quand ses PV commenceront à être bas. Essaie de réduire les PV du maître aussi vite que possible pour tenter de gagner de cette façon. Ou alors, tout simplement, je détruis toutes ses cartes. Pas comme s'il avait des cartes balèzes. Hein. Très bien. Alors, on va évoluer un peu. J'ai envie d'évoluer un peu. On va pas jouer avec Végéto dès le début. Bah oui, parce que sinon... c'est pas cool, quoi. Hop. Oh,
on va plutôt jouer avec Goku, Vegeta et Gogeta. Oh, puis je suis désolé, mais enfin, multiplie ton attaque par 1,1, franchement, ça fait rien du tout, hein, en vrai. Et en plus, ma vitesse totale est plus importante que la sienne. Donc, forcément, j'attaque en premier. Et je fais plus 20% à mes dégâts infligés et plus 10% aux dégâts subis par tous les adversaires. Ah ! Allez, c'est parti. Je vais vous défoncer. Oh ! T'es mort ! Au suivant ! Prends-toi ça ! T'es mort aussi ! Au suivant ! Oula 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 ! Et t'es mort ! Trop facile ! C'est tellement facile que je vais même pas utiliser Végéto, tu sais quoi ? Végéto et Hit resteront dans le placard pour ce match. Y a même pas besoin que je force. Je n'ai même pas besoin de forcer, son attaque ultime est prête. Mais je m'en fous, je suis plus puissant. T'auras beau avoir des bonus de vitesse, j'en ai rien à foutre. Hop, j'attaque en premier. Et forcément, il se prend plus de dégâts. On commence par un Gogeta versus Krillin. Bon, Krillin s'est fait défoncer, 6200 points de dégâts. Non, mais... Bouffe ça! Et c'est le perfect! De quoi bien débuter la vidéo. Un petit perfect des familles. J'avoue que celui-là, il fait plaisir. Eh ben, si ça continue, j'aurais même pas besoin... Et j'ai gagné Doria en figurine. Pourquoi pas. N'empêche que si ça continue, j'aurais même pas besoin d'avoir... Videl dans mon équipe en fait, hein. Bah oui, il faudra faire attention. Qu'est-ce qu'il entendait par vieille, je suis encore une sacrée bombe. Une bombe sexuelle. C'est gratuit. Donc on a obtenu Doria, mais je m'en fous complètement. Je l'avoue, je m'en fous, mais complètement. On a encore Bulma à affronter, encore. À parler. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'elle va me vouloir? J'ai encore le choix du deck, ça veut dire que je vais devoir affronter quelqu'un, ça. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Bah, je sais pas, c'est elle qui va me parler. Oh, putain! Après Doria, c'est Zarbonne. Non mais sérieux, hé, Bulma. Elle est sérieuse la MILF. Non mais sérieux.
Bref, c'est pareil que Doria en fait. Hein. Vas-y, de toute façon, je vais t'exploser la gueule. Je vais t'exploser la gueule. Je vais te faire une guerre comme t'en as jamais vu, mon colonel. Et quand je dis comme t'en as jamais vu, c'est vraiment comme t'en as jamais vu. Tu vas devoir affronter mes trois meilleurs soldats. J'ai pas vu l'astuce. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, je vais le bolosser. Je vais le bolosser. Alors, Doria, il est au milieu. Faut que je mette le un des plus puissants au milieu, donc. Ensuite, ouah, je peux mettre un Vegeta là. Et un Hit ici. De toute façon, je vais vous défoncer. Un bonus de 350 de défense à son maître. Okay, j'attaque en premier. C'est bon, j'attaque en premier. C'est parfait, c'est parfait. J'ai même pas besoin de chercher le 300. Allez, Vegeta. On va s'occuper de Zarbonne. Prends-toi ça. Il est mort. Ça, c'est fait. Boum. Il est mort. Ça, c'est fait. Alors lui, par contre, rien n'est moins sûr. Il meurt pas. Il meurt pas, il meurt pas. Il aura réussi à me mettre un coup. Bien joué. Bien joué, Zarbonne. T'auras réussi à faire mieux que Doria. C'est pas vraiment une... Enfin, c'est pas vraiment un exemple non plus. Mais bon. Soit. Ah ouais, t'es comme ça. Ah ouais, t'es comme ça. Bah, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Voilà. Hit, Gogeta et Vegeto. Oh mais cette fois, le mec il veut se la faire en mode on est tous les trois rangés. Bah nous aussi on est tous les trois rangés, mon gars. Il va peut-être attaquer en premier par contre. Ou pas. J'attaque en premier. Eh ben t'es mort, mon gars, je te le dis, sache-le, tu es déjà mort. C'est parti! Avec Gogeta en premier, qui va finir Doria. Oh! Violence! Oh! Violence! Il reste plus que Vegeta à buter. Mais avec Vegeto, ça va aller, ça va aller. Oh! Violence! Fin! Il aura réussi à me mettre un coup quand même, hein, l'enfoiré. Ce qui n'est pas rien, hein. Enfin, bon. Il aura réussi à me mettre un coup. Je le vis bien. Je me suis pas non plus pris énormément cher dans la gueule. Ça va. Et j'ai reçu Zarbonne. Je sais pas vraiment si c'est une bonne nouvelle parce que j'en ai rien à foutre de Zarbonne et Doria. Apparemment, Vegeta est très jaloux. Ha
Ouais, ouais, ouais. Bah, Vegeta, il est jaloux, quoi. Oh, de rien, c'est... C'est un plaisir d'avoir aidé ta mère. Juste, Trunks, je l'ai aidé dans son lit. Oh. La violence. La violence. Bien. Alors. Ah, il y a un... Y a un truc dans le coin. On a un dans le coin. Si Monsieur Satan en personne se déplace, c'est que le Colisée des Héros vaut le coup d'œil, pas vrai? Tu combats dans le Colisée des Héros, toi aussi, non? Tu voudrais bien m'affronter? Bah, ouais, mais j'y gagne quoi? Et me dis pas de la reconnaissance, parce que je m'en fous de la reconnaissance. Enfin, bref. Oui, je suis sûr de jouer avec le deck 1. De toute façon, je vais pas jouer avec un deck vide. N'est-ce pas? Alors, Epitz. Epitz, c'est comme ça. Epitz, Epitz, merde. Hop. Non, mon équipe est très bien, hein. Le Gogeta Super Saiyan en UR, il est quand même beaucoup plus... Enfin, il est beaucoup plus puissant, ouais, que le premier, quoi. Alors là, par contre, il a un gros bout. Va savoir si c'est celui qui a la défense... Non, c'est juste défense plus 700. Bon, je vais quand même pas envoyer... Putain, il a 6780 de vitesse, le monsieur Satan. Bon, je vais quand même pas envoyer un Végéto contre monsieur Satan. Envoyons plutôt un hit. Ouais, allez, on va mettre Gogeta. On va mettre... on peut pas mettre Sangoku. Donc on va mettre Végéta. Bon, je pense pas que... Enfin, je sais pas si je vais réussir à buter Majin Buu directement, mais... On verra bien. Enfin, les gars, ils ont des bonus de rangée à plus savoir quoi en foutre. Bon, il va attaquer en premier, à mon avis. Hein. Ou pas. Ou pas, ou pas. J'attaque en premier avec plus 20% de dégâts et plus 10% à tous les dégâts des alliés. Donc bien sûr, pour Gogeta, c'est plus 30% de dégâts, évidemment. Et ça fait plaisir. Il est mort. Toi, tu vas le rejoindre. Craquer, 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 craquer. Et toi aussi. Meurs. Pété. 100% à ta jauge d'attaque ultime pour ce tour. Fuck. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, en fait, le Gogeta UR, je l'aime bien. Il fait vraiment le taf. Hop. Et on va placer le Végéto Blue. Végéto Blue, Gogeta Super Saiyan et Hit en mode Tokito Bashi. La phase Genkidama, bon. Pas très utile. Puisqu'il mourra avant.
pas besoin du 300. Hein. Allez, c'est parti! Et j'attaque en premier! Oh! Oh! Ça fait mal! Oh! Le perfect! Et ouais, mon gars, tu peux pas tester! Une autre victoire pour le grand Judicael Lockhart. Et j'ai des plus boost G, plus construction G, plus explosion G. Bref. Je pense pas que... Enfin, rien de ouf. Ouais, bah ouais. Allez, sur ce, alors, le Colisée des héros, il est là. Hop. Et c'est parti. On va continuer l'histoire, les potes. Je rappelle que tout ça, c'est de la détente. Son Goku! Maintenant que tu en as fini avec la publicité, il se paye une pause. Montre-lui comment on joue. Bah, je vais te montrer mon deck ultra cheaté, hein, Goku. On verra bien. On verra bien son deck. Je sais pas trop. Je sais pas trop quel deck il a parce que. J'ai pas vraiment vu en fait. Bon, au pire, je regarderai pendant le premier tour, je regarderai le deck qu'il a. Ah hein. Toi, es-tu aussi un entraîneur? Bah, non. C'est Bulma, quoi. Vegeta passe tout son temps à s'entraîner avec, du coup on se bat plus ensemble. Ah ouais, c'est amusant. Ok, bah, on va affronter Goku, les gars. On va affronter Goku, hein. Et c'est parti pour le duel. Et de toute façon, mon équipe est ultra cheatée. Et le pire... C'est qu'ils sont même pas encore tous level max. Mon Goku et mon Vegeta ne sont pas level max. C'est ça qui est abusé. Hop. Ah, il a décidé d'attaquer à fond sur une seule case. Bon. Bah c'est dommage pour lui parce qu'il va se prendre masse de dégâts avec What? Plus 500% aux dégâts d'attaque ultime? Qu'est-ce que c'est que ce truc pété? Bon bref, ce que je voulais dire c'est que de toute façon il va prendre cher. Quoi qu'il arrive, il va prendre cher. Hop, 300. J'attaque en premier. Ah, parce que là, avec un Végéto qui attaque direct les PV, il va vraiment avoir mal, hein, je te le dis tout de suite.
Ok. Lui, il va crever. Malheureusement, Gogeta va se prendre pas mal dans la tronche. Regarde-moi ça. Le gars, il est déjà mid-life avec ce que je lui ai foutu. Même pire que mid-life. Le gars, il se prend encore un coup, il crève. Oh, c'est stylé! C'est stylé! Ah, bon, après, c'est clair que niveau défense, Gogeta, il est quand même bon. Hein. C'est clair qu'on peut pas dire là-dessus, Gogeta, niveau défense, il fait le café. Ok, je continue avec ça. Bon, là, il a pas... Il a joué la sécurité, on va dire. Il a joué la sécurité avec son bout, il est chiant, mais bon. J'attaque quand même en premier. Faut que je défonce son bout parce que... Son plus 3000 de défense, il est chiant. Du coup, à mon avis, on va pas pouvoir le buter, lui. Je fais quand même 3600 de dégâts. Hein. C'est quand même pas rien, les dégâts que je lui fais. Hein. Ouf. En plus, je lui ai réduit sa défense à zéro. Bon, par contre, Sangoten... voilà. Il s'est bouffé tout dans la gueule. Ouf ! La grenade ! La grenade en mode Allahu Akbar ! Vous en faites pas, les gars ! On est au tour 3. Il a son attaque ultime de prête. Hit, il est déjà 7252 d'attaque en plus. C'est craqué, c'est craqué, c'est craqué. Mais limite, Hit, j'ai même pas besoin de lui mettre des bonus d'attaque en fait. Vaut mieux que je lui mette des bonus de vitesse à lui, hein. Je changerai ça après, je vais lui mettre des bonus de vitesse. À Végéto, par contre, je lui mettrai... Je lui mettrai un bonus d'attaque. Ouais, je mettrai un bonus d'attaque tour 1 à Végéto, histoire qu'il dépasse les 7000 d'attaque. Mais bon, de toute façon, je veux dire... le Goku, il est cuit, hein. Ah ouais, par contre, il a plus 500 aux dégâts d'attaque ultime. Vaut mieux que je le bute en premier. Il faut que je commence en premier, donc. Je commence en premier, tout va bien. Bon, ça ira, hein, ils vont crever comme des caca. Toi en premier. Le Goten en deuxième. Oh! Putain, 6800 de dégâts, c'est abusé. Ah là, niveau attaque, on est bon. Putain, quasi 7000.
tellement abusé, il est tellement abusé, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais ouais, je pense que je vais faire ça, je vais mettre des bonus de vitesse à hit. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus logique de lui mettre des bonus de vitesse plutôt que d'attaque, vu que en attaque il aura automatiquement plus 500 par tour si je l'utilise, donc ce qui est plutôt sympa les gars. Comment fais-tu pour créer des choses aussi intéressantes? Bah... Elle a de l'imagination, peut-être? Je sais pas. Ah bah oui, il faut organiser un événement, il faut organiser un tournoi, les gars. Organisons un tournoi. Ce serait cool. Ce serait cool, 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 cool. Hop, ces deux-là, on s'en fout complètement, on les vire. Alors, avant toute chose, équiper talent, le bonus de défense me sert plus à rien malheureusement. On va lui mettre un bonus de vitesse. Hop, ça, on enlève. Bonus vitesse colonne. Ça, on enlève, ça sert plus à rien. Et si je peux lui mettre un bonus vitesse tour 2, ce serait pas mal. Bonus vitesse tour 2, j'en prends une. Hop. Équipé talent. Bonus vitesse tour 2. Voilà, comme ça, il a plus 400 de vitesse. Il passera à 2100, ce qui est pas mal. Là, c'est bonus vitesse, hop. On va lui mettre le bonus attaque tour 1. On va lui laisser le bonus vitesse tour 2 quand même, mais voilà. Au moins, il dépasse les 7000 points. Sinon, qu'est-ce que j'allais faire? Augmenter Gogeta. Bon, ça changerait pas grand chose, hein, j'ai envie de dire. Et si j'augmente Hit, bah, il augmente les PV quand même. Il augmente pas mal les PV. Il augmente un peu l'attaque. Ouais. Ouais. Il manque des puces de construction. Je sais pas qui peut me les donner. Alors l'histoire suivante, c'est Yamcha. Il y a un Yamcha qui a un Goku SSJ Blue, un Vegeta SSJ Blue, un Beerus et un Whis. C'est Yamcha qui fait pas dans la dentelle. Alors, puce boost G. Bah, j'en ai plus besoin, hein, malheureusement. Mais bon, on va quand même l'affronter encore une fois. Et on terminera la vidéo là-dessus, les gars. Avec notre attaque pétée là. Non mais sérieusement, en fait, j'ai l'impression, tu mets Vegeto, Gogeta et Hit, et c'est bon quoi. Enfin, limite, tu peux rester là-dessus quoi. Mais je vais quand même changer de temps en temps, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Si je fais que
que le combo Gogeta, enfin Gogeta, Vegeto et Hit. Il y a un moment, je suis trop puissant pour eux, quoi. Allez, c'est bon. Attaque en premier. Avec Vegeta qui mène la baguette. Lui, il est déjà mort. Ça commence très bien. Est-ce que Goku va se faire buter par Goku? La réponse est non. Oula, 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 oula! Putain, c'est tellement stylé cette attaque. Bon, par contre, Goku, il va crever. Ah, Goku, il est mort. Il s'est pris deux attaques dans la gueule. Ça lui a pas fait du bien. Ça lui a pas fait du bien. Bon. Eh ben, Vegeta va prendre la relève au niveau du cac. Son attaque ultime est déjà prête. Ce qui est à peine abusé, n'est-ce pas? Hop. Alors par contre, je ne comprends pas pourquoi il a pas couvert toute la zone. Enfin, je sais pas. C'est la logique même, parce que tu te prends des dégâts, quoi. Et puis c'est pas comme si t'étais... T'étais full life. C'est pas comme si tu pouvais te permettre ce genre de choses. Parce que là... excuse-moi, mais... à mon avis, tu vas crever, hein, avec les attaques de Hit, hein. Hit, il rigole zéro, hein, quand il fait des attaques. T'as de la chance, hein, t'es... Le gars, il a survécu avec 1200 PV. Il y a de la chance qu'il n'y a pas eu d'attaque bonus. Parce que là, c'était sûr qu'il était mort. Là, par contre, il y a une attaque bonus. Dans les burnes. Bon, bah, il n'y a plus que... Goten et puis le gros bout. Oula, 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 oula. Oh, très bien. Vegeta, tu peux aller te reposer. Et Gogeta est dans la place. Gogeta, Vegeto et Hit. Le trio de compète. Merde, j'ai raté le 300. Mais il y en avait un deuxième. Ils ont été généreux. Ils ont été très très généreux. Bon, de toute façon, Son Goku, voilà. T'es mort. Même pas à chercher plus loin. C'est KO, c'est fini. Il a crevé comme un caca. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Bien. Eh ben, ce fut un beau combat, hein. Ce fut de beaux combats. Eh ben, les potes, on va se quitter sur une petite machine capsule 15 médailles pour voir. Bon, on aura que du rare, Maxi. Un Vegeta normal. Un KB. Un Cell. Métal couleur que j'ai jamais eu. Et Krilin.
Alors, métal couleur, c'est quoi? Qu'est-ce donc que son attaque? Défense plus 700. Si seul sur le terrain, récupère tous ses PV à la fin du tour, mais impossible de changer d'emplacement avant, avant le prochain tour. Sympa. Sympa, sympa. Mais bon. Dans tous les cas, ça va partir là-dedans. Hop. Je peux pas l'améliorer plus que ça. Bon. Et ben dans ce cas-là. On va l'améliorer level 30, elle. On améliore Videl level 30. Déjà plutôt pas mal, plutôt intéressante. Mais voilà, c'est... Je pense que c'est... Enfin... Franchement, mon Gogeta, le Gogeta UR, il est devenu vraiment pété en fait. Donc, je crois que je l'augmente, mais plus pour la forme qu'autre chose quoi. Après, c'est clair que My My me gusta, hein. Son petit maillot là, qualitatif. J'espère qu'il y en a d'autres comme ça. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, les gars. Pensez à laisser un max de likes sur la vidéo. J'espère que ce petit concept de vidéo vous fait plaisir, hein, le Colisée des Héros. En attendant FIFA 19, hein, qui va sortir très bientôt, hein, dans quelques temps. Donc, moi, en attendant, je continue les vidéos dans le Colisée des Héros. Je vous dis à la prochaine. C'était Dino Oliveira. Ciao. Yang a tete na damu.